En tout cas, voici la troisième petite merveille marseillaise, Éléonore Couf, 15 ans, 1m51, 39 kg, de Saint-Gigné, d'origine martiniquaise, qui a terminé 13e des derniers championnats du monde à Birmingham. Voilà, un superbe catch-chef, franchement dorsale très très enlevée. Un tout petit peu moins de rythme, elle prend plus son temps. Un grand tour soleil. Deuxième grand tour soleil, passage sur le dos. Ouh, grand tour en lune dorsale, très difficile à la barre asymétrique. Et le double avant, c'est très difficile. Et c'est une très belle finale que nous fait Éléonore. Eh bien, je puis vous dire qu'elle va obtenir une note peut-être égale ou supérieure à celle d'Élodie Lussac. Ce qui relance ce championnat de France féminin qui paraissait ou qui apparaissait assuré pour Élodie Lussac. Regardez bien ce mouvement superbe de Éléonore Couf, très tonique. Une finale en double rotation avant, très difficile. On voit là ici au ralenti le grand tour dorsal. Et la sortie, double salto avant. Avec les jambes un petit peu écartées, ce qui n'est pas... Mais c'est vrai que c'est très difficile, une double rotation avant pour terminer. On a du mal à se repérer et à aller chercher son tapis.